C'est ça le vrai visage. Et au niveau national. Alors il devait abroger la réforme des retraites. Et là, dans un charivari complet, maintenant c'est 66 ans. Ensuite, il devait également avoir des modifications fiscales. Et là, ils vous disent, on va voir, c'est pas sûr, ainsi de suite. C'est ce que vous devez dire. Dans la confusion qu'ils ont dans leur programme, c'est la démonstration qu'ils ne sont pas aptes à gouverner. Et vous devez dire à vos voisins, à vos collègues qui s'interrogent, voilà. C'est pas juste les condamner, c'est leur dire que ce n'est pas la solution. Parce que quand vous entendez Marine Le Pen au Jordan de Bardella ces derniers jours, ils vous disent oui, ça va être compliqué parce que Macron, il a mis le pays en faillite et ainsi de suite. Et là, ce qu'ils nous vendent, c'est qu'ils ne vont pas mettre en place le programme qu'ils ont annoncé de la faute de Macron. Parce que c'est ça avec l'extrême droite, c'est toujours la faute d'un autre. Le boulot, il est piqué, c'est comme ça avec l'extrême droite, par le bougnoule. Les prestations sociales, c'est piqué par les fainéants. C'est toujours l'autre que l'on stigmatise. C'est cela le poison de la division qui est vraiment le ferment de l'extrême droite. Donc il faut savoir convaincre. Et puis il faut savoir rappeler aussi que l'extrême droite, c'est un parti antisémite. C'est un parti antisémite. J'ai déjeuné avec les représentants de la communauté juive, l'ensemble de l'Occitanie, de Toulouse, de Montpellier et d'autres. Et je leur ai rappelé ce sujet. Alors bien entendu qu'aujourd'hui, ils se sentent menacés avec les attaques antisémites qui ne font qu'exploser, qui ne sont certainement pas résiduelles. Mais je leur ai rappelé que hier, ils ont été par millions victimes et que demain, ils le seront de nouveau.